Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'est tel qu'il nous, il s'agit de la découverte de Wizorb. Un jeu qui apparemment ressemble à Zelda, mais qui est en fait un casse-brique. Enfin, il y a intérêt parce que... Ah chut, non, non, non. J'imagine qu'on va avoir le prologue en faisant de nouvelles parties. Il y a intérêt parce que sinon... Quoique... Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, regardez. Alors, j'ai rien préparé ou presque. Donc, il va y avoir une difficulté normale. Est-ce que ça nous met le prologue? Est-ce que ça nous met le prologue? Il est mignon, le petit. Ça nous met pas le prologue, je suis contre. On va aller voir le prologue, alors, du coup. Je redisparais. Dans les temps anciens, le royaume de Gerudo fut maudit par les démons. Le roi et tous ses sujets disparurent. Parmi eux se trouvaient les quatre enfants sacrés, gardiens de l'équilibre. L'ultime espoir de salut résidait dans le courage de Owain, un guerrier surdoué qui partit en quête pour Gerudo. Toutefois, il ne revint jamais et le royaume sombra dans le désespoir. Puis... D'un pays lointain vint Cyrus, un sorcier expert tant en magie blanche qu'en magie noire, et maître d'un art magique secret nommé Wizorb. Je vous en supplie, maître Cyrus, sauvez Gerudo! Mais... Ok, j'imagine que ça va être les bonus. Oh là là! Oh là là! Merci beaucoup, Marc! Pour le host, je reviens et on est parti. Appuyons sur start. Gerudo, ouais, c'est vrai que ça ressemble à... Oui, c'est ça, hein. Ça ressemble à Zelda au niveau... Je pense qu'il doit y avoir une forte inspiration Zelda. Mais ce n'est pas Zelda. Allez, attention, nouvelle quête. Comment vas-tu, Marc? Bienvenue. Je suis sûr d'écraser. Je suis sûr de commencer en difficulté normale. Merci. Est-ce qu'il ne faut pas que je joue à la souris? Ce serait bien. Départ. Ok, d'accord, on peut pas jouer à la souris. Oh, ouais, oui, donc c'est bien un... C'est un arcanoïde. Ça a pas ouvert la porte, faut buter les jolies... les bestioles toutes mimi, là, c'est ça? Faut être méchant comme ça. Le problème, c'est que si je peux pas jouer à la souris, je vous jure, ça va être compliqué la suite, en fait. Je m'étais très très bon à ça. T'es crevé, mais ça va. Ok, bon. Bah si, ça va. Ça va. Merde, putain. Ça va vite. Merci. Ok. On peut mettre la webcam dans le noir à droite, il y aura peut-être rien dedans. C'est pas con. Je vais faire ça. Tu as tout à fait raison. Merci pour votre aide! Je sais pas qui parle. Les citoyens de Taro sont les seuls à avoir échappé à la malédiction lancée vers les démons. Cependant, des monstres sont venus du château de Gerudo et ont attaqué notre village. Ça va être le maire, là. Je vous en supplie, sauvez le royaume de Gerudo! Ah, je me déplace. Non, je me mets à la place du gars. Je me mets à la place du gars, c'est pas mal aussi, non? Voilà. Zelda Arcanoid, c'est ça, exactement. Bonjour. C'est terrible! Ces monstres m'ont pris tout ce que je possédais! Donner 250 gold? Non. Je suis pas gentil à ce point-là. Ah, c'est peut-être les marchands, il va falloir... Je peux pas faire des affaires sans une belle boutique. Que vais-je faire? Ah, c'est ça, en fait. Il faut reconstruire les boutiques. C'est terrible!
Merci beaucoup. Vous êtes un véritable héros. S'il vous plaît, veuillez accepter cette récompense en signe de ma gratitude. Vous avez obtenu une clé. Une clé. Mais je voulais reconstruire ta boutique, moi. Espèce de... En fait, non, c'est pas top, là. Ça va. Très bien, comme ça. Non, mais non. Ah ! D'habitude, j'ai plus le temps pour me décider. C'était très bien là-dessus. Un petit... Voilà. Ok, Oh ouais, le grand héros de Gaudo est né et a grandi dans notre village. Comment ces monstres ont-ils pu détruire sa statue? J'ai plus de thunes, les gars, là. Faut arrêter. Bienvenue à Taro. Sans ma taverne, je serais ruiné. Et tous les potins qui se tramaient là-dedans vont me manquer. Vous êtes très généreux, mais je crains que vous n'ayez pas les 350 gold. Ouf, ouf, ouf. Donnez 100 PO. Ben, je suis désolé, mais je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je fais, alors, du coup? On a 3 vies. Je me barre. Pas par là, en tout cas. Mais Watchmen, définitivement une excellente série. Ouais, j'ai pas commencé encore. Est-ce que t'as regardé aussi... War of the Worlds, Marc? La guerre des mondes. On peut passer par là. Bon, c'est pas un Zelda parce qu'on peut pas défoncer les buissons. Voilà, tout simplement. Ah, faut que je sorte, en fait. Je crois que le mec, il bloquait, mais en fait, faut juste sortir. Boule de feu avec A. Ok. Oh ouais. Oh ouais. Ça fait quoi, ça? Ah, d'accord. Oh merde, 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 je suis con. Je peux le faire indéfiniment, je croyais qu'il y avait de la mana, en fait, je crois que c'est les pop... Ah bah si, non, c'est ça. Bordel, mais ça va pas, ça suffit. Je me fais défoncer. T'arrêtes, espèce de boule. J'espère que je vais récupérer mes vies après. Intérêt. T'as pas regardé, ok. Et le Mandalorian aussi, faudrait que je regarde. Ok, hors bonus. Oh, ils disent pas bonus, c'est bien. Ok. Est-ce que je récupère mes vies? Est-ce que j'ai plus qu'une vie? Est-ce qu'on perd la game une fois qu'on a... J'ai plus que... Oh là là, mais niveau 1-2, c'est pour ça, d'accord. Vent avec B. Et... Tac. Je sais pas ce que ça fait, le vent. Oh. Je suis bien placé, là. Tout quoi, que ça rocks, là. Ça me fait du bien de jouer à Arkanoid. Vraiment. Je sais pas trop ce que ça fait, le vent. Je vais pas trop capter ça là, mais... Ah, ça le fait partir comme ça, d'accord, ok. Ça bouge les boules, ça bouge la boule. Nickel. Je commençais... Is dark material, c'est pas mal du tout. Ça me dit rien du tout, ça, par contre. Ça me dit rien du tout, du tout. Oh là là. Mais vilain jeu, quoi. Fail. J'imagine que je reviens à la map si j'ai plus de vie et je récupère les vies. Je sais pas. Au secours. Bon, après, un Arcanoid, je sais pas si ça se
prête bien au stream. Mais j'ai acheté ce jeu-là parce qu'il était vraiment pas cher en promo, je sais plus quand exactement. Et il me plaisait bien, j'aimais beaucoup le principe de... J'aime bien les styles qui se rejoignent en fait, qui se mixent, je devrais dire. Ou genre par exemple, comment ça s'appelait la... Yoku, qui faisait Flipper... Peut-être que je fasse la boule de feu aussi, ou un truc comme ça. Ah donc, du flipper platformer et là du Zelda Arkanoid, je trouve ça, j'aime beaucoup l'idée. J'ai plus de bouboule. Ouf. Oh. Moi, il n'y aura pas de backseat sur le jeu, non. C'est pas faux. L'adaptation du roman à Croiser des mondes, ça se passe dans un monde parallèle où chaque personne est accompagnée d'un esprit animal. Oh, j'aime bien l'idée. Bon, là, va falloir sauvegarder la progression ou je sais pas un truc parce que. Plus en plus complexe, la niveau 4. Merde, bah, c'est pas ce que je voulais faire en fait, mais c'est pas grave. Je vous jure, c'est pas intuitif de jouer avec le pad. Oh ! Ma niveau bonus. Ouais ! Ça me fait marrer. J'aime bien. Mais bon, je pense pas que... Enfin, allez, on va la finir en live. Non, remarquez, si je suis forcé de stream à la DSL, c'est un bon jeu pour ça, non? Et du coup, j'ai pas pu looter la clé. Je suis dégoûté. Non, c'est pas... Je me demande pas si le vent, ça ralentit pas la boule, tout simplement, en fait. Parce que dans, alors si c'est comme dans Arkanoid, j'ai l'impression, hein, plus la boule touche de briques ou les murs, et plus elle s'accélère. Ce qui au bout d'un moment devient assez terrible. Oh, une vie supplémentaire. Je suis revenu à 3 vies, magnifique. Tu as deux pommes, ça marche. Merci d'être passé. Et puis, bonne nuit. Oh là là. J'ai de la mana. J'ai pas de mana. Je n'ai point de mana. Et ben, du coup, j'ai l'air con. Mais bordel. Non. Oh là là, pourquoi elle clignote? Pourquoi elle clignote la boule? Pourquoi elle a clignoté? Qu'est-ce qui se passe? Là là, putain! Allez, il reste 3, merde! Mais arrête! Mais non, les. Mais non! Ah bah bravo! Il a fallu que je perde une vie pour ça. Non! Pas lancer la clé sur le coffre. Les coffres sont ouverts, je crois, en fait, non? Je sais pas. Il y a un film pas mal foiré il y a plusieurs années, à la croisée des mondes. Boussole d'or. C'est la boussole d'or, ça me dit quelque chose. Ok. Bon, et Pomme, dis-le tout de suite si t'aimes pas Arkanoid. Hein. T'avais dit que c'était Zelda. Hein. Moi, je note. Hein. Il y a le bouton pour ouvrir la...
la poporte. Il manque juste un truc, la musique d'Arkanoid. Non, sérieux. Oh ah. Non, j'ai tout loupé, grand con. Ok. Allez. Oh, un marchand. 85 gold pour ça, 75... pour ça, je sais pas si je vais acheter, ajouter une vie au compte. Ouais. Ouais. De rien. Voilà. J'ai un peu de mana, mais pas trop. On va attendre que ça soit chiant. Qu'est-ce qu'il faut que je... Ah, je voulais tester en fait, mais j'aurais pas dû. Du coup, ça m'a troublé. À mon avis, c'était la glu. Je pense aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de buter toutes les briques. À mon avis, les briques grises, il n'y a pas besoin de les buter. Quoique. C'est la grid comme sur du Dark Souls. Oh, non. Ok. Trop greedy. Ok. Ah bah je l'ai loupé, tant pis, c'est pas grave. De toute façon j'ai plus... Je crève là, c'est ça. Ce film est génial, mais la censure religieuse d'Hollywood l'a descendu. Ah, ça devait être le premier d'une trilogie, mais le film n'a pas marché. Faudrait que... Franchement, elle a fait la série pour le moment. Semble bien faite, il y a du budget niveau décor, effets spéciaux. Ok. Cool. Ah, j'ai. Je sais pas si t'as regardé Walking Dead. J'ai fini la. Comment je suis à la mi-saison, là. Donc, je suis à jour. Par contre, j'ai toujours pas fini Fear the Walking Dead. Parce qu'on est tombé sur une série qui nous a bien fait marrer. On a Preacher à finir aussi. Et on est tombé sur Silicon Valley. Ils en sont à la 6e saison, je crois. Et on commence à regarder et c'est franchement rigolo. Ok. T'as regardé, ok. Et t'en penses quoi? C'est sans spoil, évidemment. Ok. Tac. Oh, c'était... C'était très mal joué de ma part, là. Je tonk, tililonk, tilonk. Ah ouais, on peut peut-être... Alors attends, on va regarder les coffres là, ça m'intrigue. Oh là là, mais c'est trop chaud aussi là. Continuer, recommencer. Continuer, ça fait quoi? Comment on fait? Je recommence de là et j'ai 3 vies encore? J'ai rien perdu? C'est que ce bordel. Ah bah oui, t'arrêtes. Je pense. Est-ce que ça a utilisé les clés? Ça a pas utilisé les clés à vie en fait, tiens. Que je sais pas à quoi ça sert le truc devant. Oh oui, oh c'est beau ça, oh oui, j'aime... Ah. Donc en fait, ça sert à quoi les vies? Hein? C'est nul! Moi, je pensais qu'au moins, on recommencerait à un certain niveau, où si ça se trouve que ça foire tout.
je sais pas, et que ça soit à moitié roguelike, et que du coup on garde l'or et qu'on puisse le dépenser. Ça aurait été pas mal. Là, j'ai l'impression qu'au final, la mort, elle sert à rien. À part le niveau en cours. Je suis planté. Il y a peut-être un tir de clé. Non, ça s'est ouvert. Hein. Téléportation. Oh, je peux téléporter la balle. Mon dieu. Oh là là. C'est de la triche. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est. On est là. Triche le jeu. Je peux essayer Y et X, ça fait rien en fait. Je sais que A et B, ça fait. C'est pour des sorts. Je l'ai pas fait exprès, mais c'était bien joué. Oh, mon dieu, non. Oh là là. Oh là là. Ok. J'ai plus de mana. Fuck, je pensais que j'avais plus que ça. Et merde. Oh là là. Non. You coucou à toi Tiny, comment vas-tu? Ok, nickel. Je me dis que c'est bien qu'il y ait encore quelques trucs qui me font tiquer. C'est quand même mieux que les saisons 2, 3, 4, 8. Il y a clairement de meilleurs dialogues. Alors moi, il y a un truc qui me... Moi, j'aime bien. Mais il y a quand même des vachement d'incohérences. C'est ce qui m'agace le plus, en fait. Surtout dans le... On a l'impression qu'ils en ont rien à foutre du temps qui passe, en fait. C'est... Il fait nuit. Ah bah là, il fait jour. Ah bah là, il fait nuit. Ah bah là, il fait jour. Ah bah là, il fait nuit. Ah bah, il est parti du village. Ah bah, il est arrivé dans... Une minute après, il est arrivé dans l'autre village. Hein? Et ça m'agace, en fait, parce que j'arrive pas de le voir, mais bon. Je crois qu'ils en ont rien à foutre, que c'est pas le but, que ça soit cohérent, et puis voilà. Mais bon. Allez, là-bas. Comment ça va, Tiny? Bienvenue sur une découverte. On a fini I Hate This Game, du coup, je me suis... Laissez tenter par une petite découverte d'un petit jeu qui vaut pas très cher. Qui mélange Arkanoid. Et oh bordel de merde. Arkanoid et on va téléporter là. Ah bah c'était pas super. Arkanoid et Zelda et je sais pas quoi, il y a d'autres trucs, plein de trucs, voilà, ça mélange des trucs. C'est pas mal. Je pense que, à mon avis, il faut pas y jouer plus d'une heure à la fois, mais... Comme Arkanoid, hein. Si tu pètes un câble, à mon avis. Oh, il est passé autour. Ah, ça c'est bien. Oups. Ah, par contre, si je peux difficilement lire les longs textes sur le chat, forcément, comme vous pouvez l'imaginer, je pourrais mettre la pause. Mais ce serait pas drôle. Ah, il faut qu'il passe à droite là maintenant. Putain, ça va être chaud. Wouh! Ok. Ah, j'ai plus de boule de feu, faut l'amener à droite. Ah, ta mère, non. Ça m'embête pas sur ça, moi, ce sont des ellipses narratives. Dans ce qui me gonfle le plus dans les séries Walking Dead, c'est qu'il y a clairement trop de personnages. Du coup, bah, beaucoup sont pas du tout développés à un temps de présence de 2 minutes, par exemple. Ah oui, c'est vrai, ouais.
C'est vrai. Moi, j'ai bien aimé les deux derniers, là. C'était plutôt cool. Quelle heure il est ? Ok. Est-ce qu'on ferait pas une... Ah putain, je fais de la merde en plus. Est-ce que... Bah là, par exemple, voilà, vu que j'avais plus de life... Ah, il me reste deux continuer. Autant pour moi. Je peux encore continuer deux fois. D'accord. Enfin, deux continue, en fait. Donc au final, c'est comme si on avait... On avait combien ? 3 ? Donc c'est comme si on avait 9 vies, quoi. Donc ça va, ok, d'accord. Parce que là, je m'étais dit, bah, autant que je crève, de toute façon, j'ai plus de life, donc... Oh putain, je gère mal. Pas grave. Ok, pour continuer, sinon faut mettre des pièces. Oh, mais bordel, je fais de la merde. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va s'arranger autrement. Il va crever, lui. Non. Ah là là. Oh, genre. Oh non, plus, s'il te plaît, le jeu là. Oh là là. Il m'aide pas là. T'es pas gentil, le jeu, vraiment pas. Merci, allez, reste. Oh bordel. Mais qu'est-ce que c'est ? Allez. Ok, va en haut, non. Oula, ça me va. Ok, en haut, non. Ok. J'aimerais bien aller dans l'endroit bonus, là, en fait. Ok. Ah, non. Ah, le fail. Toujours avoir la main sur le contrôleur, les amis. Je t'avouerai que j'ai hâte de voir deux persos crever parce qu'ils m'agacent. Deux persos crever parce qu'ils t'agacent. Parce que moi aussi, il y a des personnages qui m'agacent. Mais c'est peut-être pas les mêmes. Envoie-moi ça par en Wisp, tiens. Je suis curieux. Jean-Michel. Jean-Michel Capapeur. Dans Walking Dead, cette saison. Oh putain. C'est censé être quoi, une tortue ? Non, bah non. Je me suis fait contre-pied. Lance la téléportation. Ça me coûte quelque chose, la téléportation ? Ah, ça me coûte de la magie. Ouais, mais ça vaut le coup, non ? J'ai le clip. Ah, il faut clipper maintenant. Quand il faut reclipper, hein. C'est Zimane qui a gagné le dernier clip. Il était bien, faut dire. C'est pour l'exclamation gagnant si vous voulez voir le clip qui a gagné la semaine dernière, d'ailleurs. Avoir.
Avia qui me... C'est ta faute si je suis mort. C'est pas le gagnant de la semaine dernière, c'est point d'exclamation gagnant. Je suis gagnant. Comme le Mistral. Oh putain! Oh là là, mais je suis trop. Oh là 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 là. Ok, on est d'accord. On est d'accord, Marc. Alors, la première, oui. Mais je peux pas la piffrer non plus. Le second, il commence à être bien lourdingue. Mais bon. Il l'a été moins. Au début, il était super lourd. Après, il a été moins. Et là, c'est vrai qu'il est redevenu un peu chiant. Et le troisième dont tu parles. En fait. Jusqu'à la dernière minute, j'étais content. Mais au final. Au final, je suis un peu déçu. Parce qu'avec ce qui s'est passé, j'aurais aimé que. Enfin bon. Voilà. Et si vous comprenez pas ce que je dis, c'est normal parce que on parle de Walking Dead et on ne veut pas spoil pour les gens qui vont regarder. Voilà. Ok. Oink. Oh non 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 non, c'est abusé. Putain, c'est la faute de Sonic là. Oh là là, n'importe quoi. Et on parle en code, voilà. T'as vu le clip, il est bien, Avia, hein, carrément. Allez, dernier, continue. Mais bordel, c'est quand même pas compliqué. Voilà. Et reste. Non, mais. Mais non. Mais là. Merci. Bah voilà. Mais reviens pas. Reste là-bas. Il revient. Allez, monte au deuxième étage maintenant. Saloperie. Oh là là. En fait, c'est pas les Sonic, c'est les renards de Fire and Ice. C'est le renard de Fire and Ice. Allez, monte maintenant. Mais là, l'angle est moche, la langue est moche, là... Ah non, ça va, j'ai rien dit. Oups, looté. Allez, bute-moi les derniers trucs, là. Merci. Tu suis pas les feux de l'amour, maintenant, nous, regarde. C'est trop bien, les feux de l'amour. C'est encore mieux que... Amour, gloire et beauté. Des mots qui font rêver. Et après, je connais plus les paroles, bah non. Ah, ça aussi c'est moche. Un début, ma foi, fort pourri de la part du joueur français. Allez là. Oh là là. Allez, ping, 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 allez, ping, 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 ping. Allez, ouais, défonce-moi tout ça, ouais, c'est bien, t'es bon. Ah, merde. J'oublie la pièce. Ah. Allez, continue. Allez, ouais, c'est bien. Ouais. Non. Oulala. Oh, quand même. Oh là là. Je vais pas rentrer dans la petite pop-porte. Merci. Ok. Jordan veut se taper. Bon, je vais le faire comme ça en fait. Jordan veut se taper Jennifer. Mais Samantha n'est pas d'accord car Kevin est la sœur cachée de Jordan. Tandis que John et Kevin fomentent un plan pour évincer William du conseil d'administration de la société qu'ils ont hérité de leur père,
père qui est décédé voici 5 ans dans un grave accident de hors-bord en voulant rejoindre le triangle des Bermudes où avait disparu voici 6 mois sa 5e épouse. J'aurais dû mettre un petit jingle. Ce jeu représentatif de la droit-liberté des casseurs de briques, devoir rester au fond sans pouvoir avancer, c'est discriminatoire. Scandaleux en 2019, je suis d'accord. Oh, alors, si j'achète des vies, vendu. C'est toi vendu. Tiens, on va acheter ça. L'orbe colle à la baguette magique. Êtes-vous sûr? Oui, allez. De rien. Et on va acheter ça aussi parce que, voilà. Parce que pourquoi pas, on a plein de thunes. Encore? Ah, je peux en acheter. Ah, ok, on peut en acheter plus en fait. Non. Non. Ok. Attention. Feu! Je voulais passer au-dessus en fait, je vous l'avoue, mais. Ping, 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 ping. The fuck? Ah oui, oh là là! J'ai pris les mains en fait. J'ai même pas percuté. C'est que pour le niveau, je me demande. J'aime bien ça. Ah! Je crois qu'il y avait un bug. Je me dis, ah oh, putain, le jeu a crashé, mais chier. Ah non! Le. Ça, c'est pas juste! Ça, c'est pas juste! Le contre-pied de sa race. À droite, monsieur. Merci. Encore, encore, encore. Non, pas à droite, à droite. Oh là là. Donc j'ai perdu mon aimant là. En fait, ça, c'était que juste pour une utilisation en fait. Il est lourdingue ce niveau. Je tiens à le dire, il est lourdingue. C'est lourdingue. T'es lourdingue. Arrête d'être lourdingue, s'il te plaît. Merci. Encore une, encore. Il faut taper au moins 18 fois l'autre, là, c'est ça? Oh là là. Oh là là. Non. J'aurais peut-être dû le faire en téléportation, vous savez. On n'est pas sorti de la merde, là. Postuler pour écrire aussi. Attends, c'est compliqué de lire le chat. Oh là là. Je postulais pour écrire au scénario de Alien versus Predator versus Bob l'éponge. C'est pas compliqué d'écrire des scénarios Hollywood. Non, carrément, t'as raison. Tout à fait raison. Bon, alors au final, il y a eu des drops de la 4G au tout début du stream. Et puis, il n'y en a plus, donc très bien. Très bien, je vais me choper le coffre en prio. Je sais pas à quoi servent les clés. Mais en tout cas, c'est pas ouvrir les coffres. C'est peut-être ouvrir les portes. Ah si, ça doit être ouvrir les portes. Oh mais merde! Tiens, je vais te le faire la téléportation, là. Tu vas voir là. Tu vas voir là, regarde ça là. Ouais, ça marche en fait. Feu! Ça valait le coup en fait. Cheater, t'as vu hein? Je voulais taper un peu en haut avant, mais ça va aussi ça. Ok. Bon, pareil, hein. Ah, on peut pas, là. Ah, il faut mourir pour... Je veux me faire le... Voilà. Putain. Je voulais juste me le buter, lui, là. Ah,
J'ai loupé une pièce. Oh là là, oh là là, oh là. Ok, ok. Oh là, j'ai tout. Oh, très bien. Magnifique. Yeah. Oh merde, putain. Je suis en train de regarder comment ça défonce. Je viens de même pas prendre les trucs. N'importe quoi. Ça compense pour le cheat de tout à l'heure. Tester d'appuyer sur A ou B quand la balle touche ton truc? Non. Mais je me dis que ça va tirer une boule de feu ou du vent. Putain. Merde. Ah putain. Ok, le jeu le dit pas ça, c'est abusé. Donc ça fait une boule enflammée en fait. Aïe aïe aïe. Attends, si je fais B alors, ça va faire quoi? Oh, hein? Oh. Ah, énorme. Ok. Mais c'est trop bien. Du coup ça aide. Sur le menu à droite, ça affiche un truc différent. Ah, ouais, mais j'ai pas le temps de regarder le menu à droite, moi. En fait. Merci d'avoir remarqué ça pour moi. Bon. On va s'arrêter là. Oh non, mais il y a un boss. Oh mon dieu, je n'ai plus de life. On va faire le boss. Faire le boss. On va mourir sur le boss. On voit la vie du boss. Ah ouais, quand même. Ah, on est pas sorti de la merde. Ah. Mais putain, il a une hitbox de sagouin. J'imagine que quand plus sa vie va descendre et plus il va faire des trucs méchants. Genre la fréquence des... Et à la fin, il va tirer plusieurs tourbiloles. Si j'étais bon arcanoïde. Oh putain. Oh mais non, c'est trop rapide. J'ai fait de la merde. Continuez 250. Ah bah oui non mais oh là là, oh mais. Évidemment qu'on continue pour 250 gold. Ouais. Mais en plus on est de la chatte. Mais si je faisais ça. J'en ai plus là. C'est bien. On retourne au village maintenant. Non, non. Ah, Dieu. Pardon. Tu vas dodo, Koima. Ça marche, façon, on s'arrête bientôt, là. Merci d'être resté jusqu'à la fin, pas comme... Pomme, qui est parti avant. Moi, je dis ça, je dis rien. Bonne nuit à toi Koima et puis bah écoute à jeudi pour Blasphemous, je l'espère. Ok, là on va, je vais juste voir si ce qui se passe si on achète des trucs. C'est ma taverne. Nanana. Vous savez mon commerce, s'il vous plaît veuillez accepter cette récompense en signe de ma gratitude. Une vie supplémentaire. Mais attends. Thank you.
Ok. En fait, on reconstruit que dalle. Qu'est-ce que cette connerie? Placez des sorts magiques si vous appuyez sur un bouton de magie au moment où l'orbe touche la baguette magique. Ah bah et voilà, c'est là qu'il nous dit en fait. D'accord. Un énorme œil volant a brûlé ma maison en la frappant d'un éclair. Oui, tiens, vous êtes très généreux, mais je crains que vous n'ayez pas de... On n'a pas de sous? Je pensais qu'on a eu plein de sous, moi, à cause de cette connerie. Bon, allez. Je suis sûr de retourner au menu principal. Moi, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est chouette. Mais on continuera pas quand même. Moi, je continuerai peut-être de mon côté un petit peu. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était le Kino avec les découvertes de Wizorb. Merci beaucoup et à la prochaine.